Témiscouata les Basques. Madame la Présidente, et je remercie ma collègue pour sa question, une question très pertinente. Madame la Présidente, chez nous, à Rimouski, c'est 0,2 % d'inoccupation. C'est du jamais vu. C'est historique. C'est grave. On attend après des programmes du gouvernement fédéral, et je pourrais vous en nommer un, l'initiative de création rapide de logements qui est pilotée par la SCHL. Le gouvernement a annoncé 4 milliards au dernier budget. Il n'y a même pas encore aucun programme qui est déployé. Et je suis tout à fait d'accord avec ma collègue pour dire qu'il y a eu un désinvestissement de la part du gouvernement fédéral dans les années 90. Et les répercussions se font sentir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, 0,2 % d'inoccupation, Madame la Présidente. C'est incroyable. Et ça, c'est un frein pour le développement de la région. C'est un frein pour être attractif, autant pour des nouveaux travailleurs, des étudiants. Alors, évidemment, j'espère que le gouvernement saura déployer les sommes et s'assurer de les transférer au Québec pour construire de nouveaux logements sociaux.